Bonjour YouTube, on se retrouve sur Unlist. Cette fois-ci du côté allemand, dans la campagne de Berlin. J'ai deux missions à réaliser de ce côté-là pour les quêtes quotidiennes. Voilà. Dans ce jeu, il faut que je sois chaud. Il faut systématiquement que je me prenne une balle dès que je fais mon introduction. Il a été abattu. Nous sommes sur la Hermann Göring Place, Feststrabe. Ah! Oh là là! Oh là là! Ouh là là, c'est une catastrophe, je ne sais pas jouer. On va prendre la mitraillette, hein, histoire de se chauffer un peu. Là, même si je tire à côté, généralement, j'arriverai à toucher quelque chose. Donc, on vient d'apparaître et on a déjà perdu un point. Donc, à mon avis, c'est une partie qui a déjà débuté depuis quelques instants. Il y a un manque flagrant de joueurs hein, sur le jeu. Il y a vraiment pas beaucoup de monde et c'est pour ça que peu importe à quelle heure on joue, il y a souvent des trous comme ça dans le score. Là, on voit que ouais. Il manque un joueur en face. On va essayer d'être tranquille. Il y a Panzer qui approche. On va tenter de se faire tout petit, j'allais dire. Bon. Allez, prends ta balle. Recharge. Alors on va aller effectivement de ce côté-là parce qu'il y a des gens qui essaient de nous contourner. Donc on va essayer de tenir le flanc droit et espérer que ça soit utile. J'espère que je suis pas trop loin et que j'arriverai à voir quelque chose d'où je suis. Pas certain. On va voir. On va voir. Le fait de venir. Regardez ça. Ouh là là, il n'est pas tout seul. Hein. Bon, je me replie. On a perdu le point, de toute façon, on va perdre le territoire. On n'est pas du tout à notre avantage. La tranchée ici, ça donne quoi? Si je me mets là, par exemple. Ah, c'est pas mal. Espérons que je puisse tenir un peu la zone avant que le territoire nous oblige à nous replier. J'ai cru voir un truc passer par là. Ouais. Il y a du mouvement là. Il y a du mouvement. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, il y a beaucoup de monde. C'est un peu loin, j'ai du mal à viser. Donc bizarrement, ceux qui étaient là m'ont pas poursuivi. Peut-être ceux qu'on voit là-bas, je sais pas. On va continuer notre protection du flanc droit. Ouais, il est précis, lui. Avec quoi il tire? On peut avoir une mitraillette aussi précise. Bon. On va se mettre là. Ici est couché, ça peut être sympa. Alors on les entend crier. Mais je vois personne. La fête se passe beaucoup plus loin que où je suis. On va aller les rejoindre. On est en train de perdre le point. On se fait rouler dessus. C'est une catastrophe. Soit il y a un avion qui va exploser, soit c'est un char qui va exploser. Mais en tout cas, il vient d'avoir un truc qui a fait boum. Ah, ok, la tranchée. Ok, mouvement, on a repéré. Allez, recharge, recharge. Ok. Ok. Ok, on a eu l'escouade. Bah, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un là, j'étais pas certain, mais on dirait que c'est juste le décor qui donne. Qui fait une illusion d'optique. Ok, c'est un allié, j'ai eu peur que ce soit un T-34 ou quelque chose du genre.
On va rejoindre nos hommes. On va reprendre quelques munitions tant qu'on y est. On est tout près d'une caisse de munitions. Où est-ce qu'elle est? Il y a sous-sol? Je vois pas la caisse. Ah ouais, il y a sous-sol, effectivement. J'ai eu un moment d'hésitation. J'ai dit, il y a déjà des ennemis là? Oui, il y a déjà des ennemis. Allez, on est dans un petit Panzer 4. Ah, de qualité. Quoique bon, le Panzer 4, à cette période de la guerre là, c'est plus une unité de soutien que vraiment une unité de combat. Hein. Face à ce que les Russes ont en face, je suis pas certain d'arriver à faire à faire grand chose. On va se mettre en position tireur, ce sera plus efficace. Alors, il y a un char ennemi là-bas, non? Est-ce que je peux passer là sans problème? C'est quoi ces pics là? J'ai pas con. Allez, hop, anti-infanterie. Ah ouais, les mitrailleuses qui surchauffent. Hein. Ah, et les HE qui font pas énormément de dégâts de zone. Boum! Eux ils ont payé pour tous les autres. Oula, j'ai trouvé un mec avec une arme anti-char. Oh oui. Allez tiens, KO. Il y a un char russe là, on le voit tirer. Ok, on va pas le territoire. Ok, on se replie, on se replie. Ok, fait demi-tour là, je sais pas trop où il faut aller. Ok, vas-y, par là. On décroche, je connais pas la map, hein. Franchement je sais même pas si j'ai déjà joué à cette map là. C'est une nouvelle map. Elle est sympa mais je la maîtrise pas. Hein. Enfin une nouvelle, bon. Elle a déjà dû être sortie depuis quelques temps mais déjà je connais pas. Ah, j'ai moi qui me gratte. Ah j'ai mon commandant qui est blessé, on s'est quand même pris un tir. On va se mettre là. Je pense que c'est une bonne position sur le coin du mur, histoire d'être un peu caché. Oh oui, il y a du monde là. Allez. Obi perforant, ébou perforant, obi perforant. Charge. Ça ricoche, recharge. Ok, il nous a repéré. Putain, mais c'est vraiment des chars de merde. Hein. C'est incroyable. Bon. Bon. C'est pas défaut d'avoir persévéré, malheureusement. Tout était à chaque fois rouge, et même quand c'était vert, ça n'a pas percé. Donc, les gars, c'est quoi ça? C'est quoi ce couloir? Bah on a perdu hein. Ce fut une partie assez expéditive dans le mauvais sens. Bon, on va faire la deuxième bataille du côté de l'axe à Berlin. On va voir si ça va mieux se passer ou pas. Là vous allez pas me dire que je suis parti des meilleurs joueurs parce que clairement c'est pas le cas. Je suis troisième, sincèrement. Je comprends mieux pourquoi on s'est fait battre. Hein. Si je suis troisième avec avec ce que j'ai fait, c'est pas fou. Ok, parfait. Et
J'ai même pas réussi à valider, passer 9 minutes sur le champ de bataille, j'ai été bloqué à 8 minutes. C'est là qu'on voit que ça marche pas des masses. Bon allez, on va lancer la prochaine bataille. Opéra Kroll. Opéra Kroll. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, je crois. Il y a souvent des nouvelles cartes ou pas sur le jeu? Ok, on va prendre. On va essayer de s'installer quelque part pour mettre en place un nid de sniper. Donc vous connaissez le principe, on installe les munitions, les fortifications. Si on a le temps, potentiellement des points de spawn pour nos hommes. Et une fois ça fait, on retourne au combat. Si je trouve facilement un endroit qui pourrait convenir justement à ce que je cherche. Oula, 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 oula. J'ai pas la pression. Est-ce que je peux retourner là? Allez, là, on va monter ici. Alors sous la poutre. Voilà. Non! Ok, on peut vous grimper. Des munitions. Hop, une caisse de munitions ici, ce serait parfait. Ok. Une caisse de munitions. Potentiellement là, ce serait bien pour les défenseurs. Et une autre caisse ici, cachée derrière l'escalier, si j'arrive à la... Ouais. Allez, c'était vert. Ouais. Ah, mais c'est chiant là. C'est quoi ce délire? Pourquoi c'est vert une seconde et après ça l'est plus? Recharge et soigne-toi. Bon. Oh, je crois que c'est un ennemi. Je suis nerveux. Ah, tiens, prends ça. Ah! Bon, on va pouvoir prendre le sniper. J'espère. Ok, alors, où est-ce que j'étais? Où est-ce que je dois aller? Où est-ce que j'ai mis ma caisse de munitions? Je meurs pas avant qu'on arrive. Bon sang, je spawn kill. Où je suis? Je suis perdu. Ah! Ah! Mauvaise magie. Ah! Ils sont partout! Ils sont partout! Bon, tant pis pour ma position. On élimine ce qu'on peut. Oula, il a sauté lui. Allez, recharge. Ok, donc là c'est peut-être le couloir que j'ai vu tout à l'heure où il y a des mecs qui sont passés. Donc moi, quoi, ma position était là-bas au bout. Compliqué. Je connais pas la carte, donc c'est une nouvelle carte. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir déjà joué sur celle-ci. C'est bien, hein, c'est bien qu'il y ait plein de nouvelles cartes. Vu que les campagnes sont concentrées seulement sur elles-mêmes, et contrairement à War Thunder, suivant la nation qu'on prend, on n'a pas tous les terrains. C'est bien qu'il y ait plus de variété de terrains. Par contre, j'imagine pas le travail. Hein, parce qu'elles sont quand même très détaillées, les cartes. Bon, on reprend les squads de sapeurs, on va faire des munitions quelque part. Ici ça pourrait être sympa je crois dans ce bâtiment là, il y a une zone bien à découvert juste en face. Si j'arrive à trouver un moyen de monter, ça pourrait être utile. Ça pourrait être sincèrement très utile pour justement faire un nid de sniper. Là, ça c'est pour les gars. Comment est-ce qu'on monte? Est-ce que déjà on peut monter? Et on va se faire rouler dessus! Oh, mais là c'est bien ça! Ah oui, ah oui, oui, ah oui, oui, oui! Bon, il y a un truc assez vénère qui.
qui vient de tirer dans la porte. Donc bon, on est potentiellement. Ouais, oui, on est clairement sur un axe de char. Comment on monte là? Comment on monte? Comment c'est? Ah, c'est trop grand. Y a pas d'escalier? Je découvre. Hein. Il va pas faire long feu pour 2h04. Hein. Franchement, je sais pas comment on monte. Tout est cassé. Ouais, là, bon. Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou. On va mettre un truc de munitions là, à la limite. Pas certain que ça va servir, mais bref. Ok, alors on a des alliés qui ne bougent. What? C'est quoi ça? D'accord, c'est trop pentu. Je pensais que je pouvais monter dessus. Comment je change de troupe? Ouais, c'est Y. Alors, je vais prendre un mec avec justement un pack d'explosifs au cas où j'arriverai à rejoindre des chars adverses. Tirer au pif, ça n'aide pas du tout. Oh, bordel d'enfer. Aïe 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 aïe. Soigne-toi, 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 vite. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. On a une belle vue là sur ce qui se passe. Oh nom de Dieu! Oh là là! Qu'est-ce que mes hommes font? Je suis bloqué dans le mur! Oh non, mais quel génie! Mais quel. Tu te moques de moi là? Suis bloqué dans la caisse de munitions! Ah, n'empêche qu'on a une bonne ligne de mire ici. Hein. Avec un peu de chance, on va pouvoir faire du. Il a dû le voir, il dit merde, il est bloqué. Je sens qu'il a dû se moquer de moi. Bon. Encore un bon gros bâtiment bien vénère. Sans doute un bâtiment que je ne trouverai pas. Enfin, où je ne trouverai pas les escaliers pour monter sur le toit. Je sais même pas s'il y a des escaliers pour monter sur le toit. Oh là là. Ouh, c'est cosy. Oh. J'aime pas ce bruit. C'est quoi ça? C'est un Stuka? Eh, c'est super sympa! Ils ont quand même du style, là, les Allemands. On les aime ou pas, on peut pas leur retirer ça. Oh, l'escalier qui monte sur le toit! On l'a trouvé! Ah. Oui! Ah oui! Oh oui, oh oui! Oh! Oh, merci, mon ami! Tu as tout compris. Le problème, c'est que c'est pas du bon côté. Ah, si, si, si. Si, 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 parfait. Oh! Je suis pas certain d'arriver à retrouver le chemin, mais. Il n'y a personne. C'est où la guerre? C'est une partie catastrophique. Ouais. Ah. Ah non, 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 ben non. Ah, c'est une pause vraiment pour tirer sur ceux qui rentrent dans le bâtiment, mais on n'a pas accès à l'extérieur de ce côté-là. Pas de chance.
Oh, l'escalier qui monte encore plus vers le toit. Ah, c'est stressant ce bruit. Où sont les Russes? Bah, elle est là, les gars, parce que là. Ok, si on doit aller sous-sol, c'est pour ça qu'on les voit pas à l'extérieur. Ah ouais, la défaite, quoi. Ouais. Ah, c'était pas glorieux. On va te faire quand même des batailles nulles. Nulles, nulles, nulles. Ah, on a quand même passé plus de 9 minutes sur le champ de bataille. Attention. Attention, attention. Ouais, bon, là, c'est pas fou, hein. Pas fou, c'est normal. On obtient la récompense, on obtient la récompense, c'est parfait. Et on a les trois petites étoiles du Battle Pass. Et c'est parfait. Maintenant on a tout, il me semble. Je peux plus rien faire. Ouais. Bon, on va se faire une dernière bataille, mais sur une autre campagne. Allez, une petite bataille de Tunisie. Je suis pas grand fan, mais bon. Alors, soit c'est italien, enfin franco-italien, enfin franco-germano-italien. Oh là là, les textures. Soit c'est anglais. Anglish, anglish, anglish. Allez, on va jouer les anglish. Allons-y. Espérons que ça se passe bien. Ah, c'est pas la vidéo qui va jouer et plaider en ma faveur. Ah, d'habitude, je joue beaucoup mieux que ça. Mais là, c'est que des cartes que je connaissais pas, donc je découvrais un peu. Voilà, voilà. Il n'y a vraiment pas. Ça va, il n'y avait pas autant de temps hein, entre les sessions. C'est vraiment, vraiment inquiétant. Est-ce moi qui n'ai pas de chance? Ou est-ce que vous qui jouez au jeu, si vous jouez au jeu, est-ce que vous avez également les mêmes problèmes? Les temps de chargement, enfin de recherche de parties qui prennent des plombes? Le fait que les parties aient déjà débuté ou qu'elles ne sont pas entièrement remplies. Nous sommes à Al'Ar, destruction. Carte que je ne connais pas non plus. Quoique, quoique, quoique. Donc j'ai quoi? J'ai un charge sniper et j'ai assaut avec un Sten. On va prendre un Enfield de base. Nous sommes en défense et il faut. Ah, et bien, ils ont déjà fait une zone. On arrive déjà d'une partie qui a déjà commencé. Pas depuis très longtemps, mais qui a déjà commencé. Ok, on y va. Ouais, cette carte-là, j'ai déjà joué, je pense. Ça me dit quelque chose. Oh mais... Mais attends quoi? Attendez, on voit le sang gicler de son corps. Et il meurt. J'espère que c'est pas une partie qui est infestée de cheaters ou alors peut-être qu'il y a du lag, je sais pas. Ah je suis méfiant parce qu'il y a des cheaters. Les jeux sont gratuits et les gens cheatent quand même, même si c'est pas un jeu qui est spécialement dur. Mais ouais, c'est... Ça pue cette histoire, moi je vous le dis. J'ai perdu deux zones, et puis quoi. On va se faire encore rouler dessus. Waouh, génial, j'ai tué un mec. Est sauvé hein. On recharge ça. C'est trop passif les IA. Beaucoup trop passif. Allez on avance. Et what?
Oh merde! Ouais, là, c'est moi qui ai chié, là. Ok, il l'a eu. Bon, bah, je vais rester ici et défendre la zone. Ouais. Je la sens pas bien non plus, cette partie. Hein. Ouais, ça va être un ensemble de parties bien foireux. Bon, on s'est pas monté sur les vases. De toute façon, le contraire m'aurait étonné. Ok, je vous ai vu. Vous. Oh là non. Oh, mais non, mais leur faire. Oh non, j'ai plus de balles. Ok, recharge. Ils arrivent en force là, hein. C'est l'enfer. Okay. Recharge. Bombardier en approche. Ok. Je crois qu'ils sont rentrés dans la maison. Oh là! Ah ouais, bah ouais. Ah bah oui. T'as à prendre le petit char là. Le A13. Un petit cruiser, je crois. Enfin, peut-être un ancêtre de cruiser, mais... Ça va, des petits obus vénères, mais qui percent pas grand-chose. Ok, il y avait que l'ennemi là. Le tireur est mort, c'est le bordel. Alors. Allez, allez, vas-y. Change de place, bon sang. Ah, mais c'est de la merde. Ah, ça me gonfle. Bon, on reprend des snipers. Ah, il fallait juste qu'il aille mon tireur, quoi. J'étais m'a neutralisé dès le début. On n'a même pas le temps de se positionner quelque part que... On va aller là-bas. On va monter là-haut. On va essayer. À la vitesse où avance l'ennemi. DH Siag. Ok. Ok, on va monter. Hop. Par où on monte, je ne sais pas, mais on va monter. C'est bien, c'est le bon bâtiment? Ouais, c'est là. Ok, on rentre par ici. Oh là là. Ça va grimper. Allez hop 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 hop. Le temps qu'on arrive, ce sera fini. Ah, c'est pas le bon bâtiment. Je peux y arriver. Ouais, je suis un peu blessé, tant pis. Oh, on monte. Oh, c'est pas l'extérieur. Oh, les débiles. Oh, quelle vidéo. Ah, cette vidéo pue la merde. Je suis désolé, y'a rien qui va dans cette vidéo. Allez, monte. Monte, monte, monte. Oh là, on arrive au-dessus, on a réussi. Vous avez douté de moi? Qu'est-ce qu'ils foutent là, hein? Allez vite, on va récupérer le flingue avant qu'il dépop. Enfin, je ne suis pas monté ici pour rien. Ouais. Bon là. Ça vit. Va te faire voir. Oh, il me gonfle. Oh, il me gonfle. Il récupère au moins l'arme et le reste, tant pis. Voilà.
pas si c'est la bonne arme. Oh, c'est pas la bonne arme. Ouf. Bon bah j'ai perdu mon sniper. Hein. Le char là. Je ne vois pas d'ennemis. Peut-être que je suis aveugle. Cette distance va toucher quelqu'un avec la mire quoi. Ouais bah tant pis. J'y suis, j'y reste. Oh. Ouais voilà. Mon tueur c'est personne. Ah il m'a chauffé. Là le jeu m'énerve. Bon alors on tient toujours ces deux dernières zones mais bon. Je crois que c'est purement par chance. Bon allez on va se battre. On va se battre à la régulière là, on arrête de faire le débile. Faut au moins que pour cette fin de partie, nous ayons servi à quelque chose. Ok, il y a des ennemis là. Pleine tête, parfait. Merde. Toi, t'as l'explosif. C'est ce qui compte. Allez, tu vas me les balancer. Ah non, ennemi, ennemi, ennemi. Que je fous là dans les roseaux. C'est bon, les bots sont encore plus cons que d'habitude. Ça sert bon. Ils ont toujours été un peu débiles, mais là j'ai l'impression qu'ils sont genre vraiment pire qu'avant. Ils réagissent pas du tout, quoi. C'est une catastrophe. Toi qui as fait du bruit ou il y a quelqu'un là? Non, c'est toi. Le grand tour les gars parce que là on est dans le on est dans la merde là, dans la mouise, dans tout ce que vous voulez, mais y a rien qui va. Y a rien qui va. Mais regardez le comment il est débile. Avant il faisait au moins semblant de vous tirer dessus. Hop, petite foulée, ça tire de là, et hop, ici, merde, voilà, je charge, ok, là il y a quelqu'un là, ok, je l'ai eu, je me venge du mec qui m'a abattu tout à l'heure, oh merde. Charge, utilisez les arbres pour te planquer. Ouh! T'as cru quoi, toi? Ah, vous croyez que... Ah oui, passe! Passe et j'utilise le char, le canon. Avance, 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 avance. Oui, 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 oui. Allez, on se casse. Ah! Et ils m'ont pas eu. Seul survivant. Mais fier comme un paon. Ils sont là, hein, je les entends. Il est là, il est là, il est là. Tiens, meurs. Mais putain de... Truc à la noix là. Je suis vulgaire, je m'excuse. T'es trop lent, malheureusement. Ah. On a quand même fait une belle action.
C'est pas ouf, mais c'est tout déjà ça. Par rapport à tout ce qu'on a fait depuis le début de cette vidéo, ah, je vais pas m'en plaindre. Je vais pas m'en plaindre. Cette distance, faut pas espérer faire grand-chose. La bombe! La bombe! La bombe! Non! Non! La bombe! Oh! Le panache! Le panache à l'anglaise. Oh, mais qui a stressé ici? Vous avez stressé. C'est stressé. Oh. Ah, le char, le char, le char, le char. On va essayer de sauver l'honneur. Donc on directement on passe au niveau du mitrailleur. Par ici. Oh, il y a du monde. Arrête-toi, espèce de bazar à la con. Ça arrête pas, hein. C'est supportable. Prochain tir, ce sera du HE. Ça va pas traverser les murs, hein, malheureusement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un char derrière moi. Bon, je sais pas si c'est quoi des mecs dans le bâtiment. J'ai fait juste ça à titre préventif. J'étais surpris par le mec derrière qui me. J'avais pas vu qu'il y avait un mec derrière. Hein. Tout simplement. Oh non! Oh! Ah, ça passe! Oh, le HE est passé! Le HE est passé. Le HE, moi, le HE est passé comme dans du beurre. Est-ce que peut écraser ce canon? Ouais, ça va un peu passer à travers. Là, il y a des ennemis là. La peur a changé de camp. Il reste une bombe à. Ah, mais ils sont en train d'installer la dernière bombe. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ouais, on fait demi-tour, oui. On est trop proche de la zone ennemie là, c'est pas très bon. Ah, on me tire dessus! J'ai pris des dégâts au niveau du moteur. Qu'est-ce qui me tirait dessus? Oh! Quoi ça? Allez, je t'avais vu. Tu ne peux pas échapper à mes yeux de lynx. Je l'ai pas éliminé, hein. J'ai pas eu la confirmation, il est juste KO là, il se réanime. Ah, ça perce pas. Il y a de la paix. Il a vécu l'ennemi là qui fait des ravages. Ok, c'est passé. Ouh.
Non, 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 non. Reprendre le HE. Ok, on a sauvé l'honneur quand même avec ce chien. Hein. C'est bien mieux passé que lors du premier essai. Voilà, tourelle qui tourne à des. Une lenteur, trop lent. Je sais que t'es là. Sors de cette maison. Comment ils ont fait quand ils ont vu que j'ai. Ok. Ça va. Alors je sais pas si c'est le joueur ou si c'est les bots que t'es réactif, mais là ils ont quand même réagi. Ils se sont rendu compte qu'ils avaient fait une erreur de me tirer dessus de face comme ça. Allez, allez. Je sais qu'il y en a encore là. Oh mais c'est chiant ça. Ok, on dégage. Ok. Ok, c'est la merde. On est KO. On est finito. Finito pipo. Ah! Ah ouais. Il y a restant, il y a restant. Ouais, mais t'as pas cette balle là. Allez! T'en as encore dans le caleçon. Raté. Bon, allez, hop. On va essayer de défendre le point là. Avec l'infanterie. On va perdre, hein. Mais au moins on aura réussi à tenir le dernier point avec vigueur, ce qui change un peu de tout le reste de la partie. On est resté plus longtemps sur ce point que de sur une partie entière jusqu'à présent. C'est un robot, c'est un joueur qui fait n'importe quoi. Parce que si c'est un bot, c'est qu'il y a vraiment vraiment un gros problème d'IA. Plus que d'habitude, je veux dire, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Oh là là. Allez, 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 allez. La bonne bombe là. Je peux pas faire mieux que me tenir là. Qu'est-ce qui se passe ici? On voit rien. Les mecs ont conçu ce bâtiment, ils ont pas pensé à se devoir se défendre. Ah! C'est un petit peu compliqué. On va avancer. Avec un peu de chance, j'aurai des visuels sur l'ennemi là-bas. Il faut voir si j'ai toujours le visuel sur la bombe. Hein. Oh! Oh bonne mère! Oh bonne mère! Oh. Voilà. Ça va, on est monté dans le classement. Quand on fait pas les débiles et qu'on n'est pas perdu sur la carte comme ça. Oh oh. Et on voit rien, mais qui c'est qui a conçu ce bâtiment? T'avais pas pensé à ça, hein? T'avais pas pensé à ça? C'est un bâtiment défensif où l'avantage est sous attaquant, je comprends pas le délire. On la met tir droit. Oh là, oh là. Waouh, ouais, mais non. Oh là là, on est submergé là, c'est finito. C'était la fin. Je suis heureux de vous avoir servi. Mais là, c'est finito. Tant que j'arrive, la bombe va faire un petit tip. Et là, je suis pas certain que mon flec, ma langue anglaise, va aider à désamorcer cette. Ah! Finito, j'ai dit. Ah! La mort pleut. Là, littéralement, j'avais aucune chance. Oh, regardez comment on a fini.
Merc. Le flegme. Le flegme à l'anglaise. Vite. Le flegme. Le flegme, s'il vous plaît, le flegme. La bombe ne peut résister au flegme. Cours. Le flegme. Le flegme. Le flegme n'est pas invincible. On a perdu 3 batailles, quoi. Quelle honte. On a déverrouillé la première division d'infanterie, régiment de transmission. Ce qui nous permet d'en donner des frappes d'artillerie, mais je vous avoue que... Si, si, ça peut remplacer l'armée, l'unité d'infanterie traditionnelle qui est pas fameuse. Si, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis quand même sur le podium, malgré le fait que j'ai joué comme une quiche. Et ça, c'est beau. Ouais, ça, c'est beau. Hop. Oui, alors, avant de la sélectionner, il faut d'abord que, comme je vous ai expliqué lors d'une précédente vidéo, on vire d'abord le matos de tout le monde. Dégage. Gestion du matériel, s'il vous plaît. Merci. Bah, il est où l'inventaire? Merci. Je me retrouve un peu sur le menu là, j'ai perdu mes points de repère. Tout ça, ça dégage. De toute façon, on va virer les mecs, donc voilà. On récupère tout ça, ce sera utile. Là, c'est une arme importante, donc on va la dégager. Et on récupère le Lee Enfield amélioré, donc c'est mieux qu'un Springfield de base. C'est parfait, maintenant on va dégager. Cette unité est là remplacée par le régiment de transmission. Et là, on va équiper tout ce qu'il faut pour ceux qui n'ont rien. C'est-à-dire qu'on n'a rien du tout à leur donner, au fait. Ils sont déjà très bien équipés. À la limite, je vais peut-être plutôt les équiper de packs explosifs contre les blindés. Voilà. Ah, qui garde une... Alors, toi, tu vas prendre un pack explosif. Et toi, tu vas prendre une grenade. Ça me paraît bien comme ça. Et voilà, donc ça, ce sera une unité qui sera prête pour la baston. Ah oui, il reste... ah, il a déjà son Lee Enfield. Ah, tiens, toi, tu vas récupérer le second. Le second, à moins que je le mette. Non, on va laisser comme ça. Il reste de la place pour un homme. Je peux acheter un soldat. Est-ce que forcément, j'ai envie d'user ça? Franchement, pour avoir 50 000 bots, ça sert à rien. De toute façon, ils vont tous mourir bêtement, ils réagissent pas, donc on va peut-être pas user de cartes. Je vais essayer d'emmagasiner un maximum de cartes, d'armes et de recrutement pour vraiment en acheter quand j'aurai vraiment envie de le faire. S'il manque 2-3, s'il y a 2-3 slots libres de troupes, c'est pas très grave. Là, ils sont 3, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la performance du joueur lui-même, parce que les bots, c'est une catastrophe. On a pu le voir durant cette vidéo. Bref, je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, même si elle a été un peu chaotique, si elle a été lente au démarrage, si j'étais assez ridicule sur les 2/3 de cette vidéo, j'ai quand même sauvé l'honneur à la fin, tant mieux. Et je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne en mettant votre petit j'aime, en vous abonnant, en commentant, tout ça pour améliorer le référencement de la vidéo et donc de la chaîne. Bref, je le répète, je le répéterai toujours, c'est le principe de YouTube, même si je pense que... Tous ceux qui me regardent ont compris le principe. Mais bref, je vous dis à la prochaine. Salut et bye bye.